Au plus près, il va donner.
Lâchez ses poumons. Lâchez. Lâchez ses poumons. Et maintenant, là, dans le nom de Jésus. Je te guéris maintenant. Maintenant. Oui.
acclame ta guérison. Acclame. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vis ton miracle. Je dis, vis. Vis ton miracle. Vis-le maintenant même. Vis ton miracle. Je proclame ta délivrance et maintenant même la puissance de Jésus qui guérit maintenant. Je suis compris pour toi, pour venir à Dieu. Et sois ton plan. Et sois ton plan. Et sois ton année avec cette maladie. 2004. C'est venu comment la maladie? La maladie, c'est un jour, j'étais en classe et puis j'ai eu le vertige. Oui. Et puis je suis sorti pour aller vomir. Oui. Juste en ce jour, mon corps chauffe. Et c'est. Tu as vomi quoi quand tu as vomi? Du sang? En 2002. Oui. Là, je suis tombé malade. Oui. Et quand je suis tombé malade, on a déclaré que j'avais la tuberculose. Ouais. Et ils ont soigné. Et quand ils ont soigné, on était à l'hôpital, les médecins ont déclaré que c'était fini. Mais moi, je ressentais le mal. Et tout récemment, le mal est revenu encore. Et quand je tousse, c'est le sang que je tousse. Je sens le mal, mais c'est comme si on m'avait poignardé ici. C'est comme si on avait pris une épée pour vous mettre dans mes poumons. Ouais, poumons ouais. Oui. Donc quand je suis là, tu vois, quand je suis là, quand je pars trop, j'ai envie d'aller vomir. Et quand je vais vomir, c'est le sang. Et jusqu'à présent, même, j'ai une boîte même que je me prends avec ça. Dans la boîte que je vomis. Effectivement, c'est du sang. Tout récemment, on a parlé de faire le test de la tuberculose. On dit que ce n'est pas la tuberculose. Mais je vomis toujours du sang. C'est pour cela que j'ai dit que je vais venir voir papa. Parce que ça, c'est une maladie mystique.
Jésus vient de te guérir tout de suite. Amen. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner. Faut pas pleurer, il va donner. Il va donner, faut plus pleurer, il va donner. Il va donner,
Il va donner, mon plus pleurer, il va donner.
nom de Jésus.